chers élèves, on se retrouve dans le cadre de l'ETIA d'école pour cette fois-ci répondre à certaines de vos préoccupations. Merci. Alors la première question qui a été posée est de savoir comment est-ce que j'ai fait pour diviser la période par 4. La période, j'avais dit pour représenter la courbe de l'oscillateur mécanique qui est de la forme x égale xm cosinus oméga 0t plus phi. Et j'avais pris le cas où la phase phi égale 0 pour représenter. Alors, on pose phi égale 0. Donc l'équation devient xm cosinus oméga 0 t. Et on nous demande de représenter cette courbe-là. C'est là où pour représenter, il faut d'abord calculer la période. La période t, vous calculez la période et vous divisez la période par 4. Donc vous avez une durée t qui est égale à la période divisée par 4, la période propre qu'on divise par 4. Maintenant, j'ai la réponse. Donc je trace le repère. Vous tracez le repère. Tracez le repère. Vous avez ici l'axe de temps. Là, c'est l'axe des abscisses. Vous avez x', x. Vous avez ici l'amplitude xm. Et en bas, moins xm. L'origine, c'est 0. Donc, vous avez ici la position du ressort. Le ressort est au repos au point O. Et on l'écarte d'une distance xm. On l'abandonne, il revient, il passe par le point O, sa position d'équilibre. Donc là, il met un temps T1. Il dépasse la position d'équilibre pour arriver à moins xm. Là, c'est le temps T2. Il repart. Il passe encore par la position d'équilibre. C'est le temps T3. Pour arriver là, au temps T4, position où on l'a abandonné. Donc, vous avez T1, T2, T3, T4. Alors, ces temps-là, on peut noter T1 égale T2 égale T3 égale T4 qui est égal à T. Donc, ce qui revient à écrire 4T, c'est-à-dire quand vous abandonnez le système, il va, il revient, la durée c'est une période. Donc, ça fait 4T qui correspond à une période. Alors, si je veux, la durée T est égale à la période divisée par 4. Maintenant, quand vous divisez par 4, vous revenez sur l'axe de temps, vous prenez la première valeur. Si je divise par 4, un exemple, si ça me donne par exemple 0,5, si t sur 4 me donne 0,5 secondes, la première graduation c'est 0,5. J'ajoute 0,5 encore. Donc ça me donne 0,5 plus 0, ça me donne 1. Après plus 0,5, ça me donne 1,5. Plus 0,5, ça va me donner 2. Donc, vous voyez, 0,5 plus 0,5 plus 0,5 et ça correspond à une période. Donc, pour tracer la courbe, je divise la période par 4. La valeur que je trouve là, c'est la première graduation. J'ajoute la même valeur pour avoir la période et je trace. Là, c'est la première question. Donc, il faut diviser T
15 euros par 4 pour avoir la première graduation. La deuxième question est de savoir la tension T. J'avais dit la tension T est aussi appelée force de rappel du ressort. Donc la tension T, c'est la force qui tire le ressort vers sa position d'équilibre. Et nous avons dit que cette tension-là, T, est égal à K fois X, avec X qui est égal à L moyen L0. L, c'est la longueur du ressort tiré et tiré, et L0, c'est la longueur du ressort initial. Donc, faites la différence et fois la raideur K, vous avez la tension T. Donc, T est égal à K fois X. La deuxième question est de savoir, est-ce qu'on peut étudier le mouvement des oscillations dans un repère d'espace? Je dis, nous avons deux oscillateurs, oscillateurs de translation. Nous avons dit que c'est un mouvement rectiligne sinusoïdal. Donc, un repère à une seule dimension suffit pour l'étude de ce mouvement-là. Et pour un ressort, un pendule simple, oscillateur mécanique de rotation, vous avez besoin d'un plan. On peut faire soit le repère de Frenet ou bien le plan OX, OY et étudier le mouvement. Donc, on n'a pas besoin de repères d'espace pour étudier le mouvement de l'oscillateur mécanique. La question 3 est de savoir pourquoi est-ce qu'on a divisé l'équation différentielle par M. L'équation différentielle est notée, on avait noté M X deux points plus KX égale 0. Nous avons cette forme-là. On peut laisser l'équation comme ça. Tout comme diviser le tout par M. Si je divise par M, ça me donne X deux points. Là aussi, je divise par M, ça me donne K sur M. X qui est égal à 0. C'est juste pour avoir la forme mathématique de l'équation différentielle. Hein? On peut aussi laisser sous cette forme ou bien diviser par M pour avoir la forme mathématique de l'équation différentielle. C'est juste ça. La question numéro 4 est de savoir est-ce qu'on peut remplacer, AX par V carré sur R. AX, on avait noté X deux points pour étudier le mouvement du ressort. Dans le cas où le ressort est horizontal ou vertical, c'est un mouvement rectiligne sinusoïdal. Donc, on ne peut pas remplacer AX par V carré sur R. Vous voyez que V carré sur R là est égal à AN. Là c'est l'accélération normale. Là c'est dans le cas du mouvement circulaire. Un mouvement circulaire. Là vous avez là le rayon. Or, dans le cas de ressort, c'est un mouvement rectiligne sinusoïdal. Donc vous n'avez pas le rayon. Donc vous n'allez pas remplacer AX par V carré sur R. La cinquième, c'est une suggestion. À la fin du chapitre, est-ce que vous pouvez donner des séries des exercices? Je dis oui, c'est ce qu'on doit faire. Quand on va finir ce chapitre, je vais mettre à votre disposition des exercices que vous allez traiter. Et si vous avez des questions, vous allez me poser plus tard. Voilà. La dernière question est de savoir, le candidat veut que je lui explique le cours en électricité. J'avais dit au début que nous sommes encore en mécanique. Après avoir fini les oscillateurs mécaniques, nous allons entamer l'électricité. Et le premier chapitre de l'électricité que nous allons voir, c'est les oscillateurs électriques libres. Donc, après les oscillateurs mécaniques, nous allons aborder les oscillateurs électriques libres d'électricité. Bienvenue à cette séance de cours de sciences physiques. Comme on s'était entendu, nous allons traiter un exercice sur les oscillations mécaniques.
Et l'exercice porte sur le ressort horizontal. Donc nous allons faire un exercice sur un ressort placé horizontalement. Le ressort horizontal au tableau. Et l'énoncé de l'exercice. On dispose d'un ressort à espire non jointive, de masse négligeable et de constant de raideur K. À l'une des extrémités du ressort, on accroche un solide S de masse M. L'ensemble ressort solide peut glisser sans frottement sur une tige horizontale. L'une des extrémités du ressort est fixée en M. On étudie le mouvement du centre d'inertie G de S dans le repère OI. O étant la position de G à l'équilibre. On écarte S de sa position d'équilibre et on le lâche sans vitesse initiale. À l'instant T0, choisi comme origine des temps, son abscisse est X0 et sa vitesse est V0. On donne, vous savez les données, on donne M qui est égal à 0,2 kg, K égal à 5 newton par mètre, X0 égal à 3 cm, on convertit en mètres, ça fait 3, 10 puissance moins 2 mètres. Et V0, qui est égal à moins 0,1 mètres par seconde. Question numéro 1. Calculer l'énergie mécanique de l'oscillateur à l'instant T0. Question 2. Par convention, on suppose que l'énergie potentielle de pesanteur est nulle pour la position d'équilibre. En appliquant le principe de conservation de l'énergie mécanique déterminé en A, la vitesse du solide S au passage par la position d'équilibre. B, les positions pour lesquelles la vitesse s'annule. C, établir l'équation différentielle du mouvement de G. En déduire l'équation horaire du mouvement. Voilà, ça l'énoncé, chers élèves. Nous allons passer à la correction de l'exercice. Avant de commencer, vous allez fixer le système. Donc le système à étudier, notre système à étudier ici, c'est solide de masse M. Donc système à étudier, c'est solide de masse M. Le référentiel d'étude est le référentiel terrestre. Supposé galiléen, référentiel terrestre, supposé galiléen. Troisième point, bilan des forces. Donc, bilan des forces, nous avons trois forces. Vous avez le poids, la réaction et la tension T du ressort. Donc, vous avez le solide. Le schéma, le premier schéma, le solide n'est pas allongé. Donc le solide garde sa longueur L0. Là, vous avez le poids et la réaction. Et on déplace
le centre d'inertie du solide vers la droite d'une longueur X. Donc quand on déplace le solide de sa position d'équilibre vers la droite, vous avez la tension T. Donc nous avons trois forces, le poids, la réaction et la tension. Voilà, la première question, question numéro 1. Calculer l'énergie mécanique de l'oscillateur à l'instant T0. L'énergie mécanique, par définition, c'est égal à énergie cinétique plus énergie potentielle. Donc vous avez ici énergie mécanique à l'instant T0, EM0, égale énergie cinétique plus énergie potentielle. Énergie cinétique est égale demi de M V0 carré. Ça, c'est l'énergie cinétique. Énergie potentielle, il s'agit là de l'énergie potentielle élastique. Donc, son expression est demi de K fois X0 au carré. Parce qu'on est à l'instant T0. Voilà. Vous avez la masse M qui est donnée, 0,2 kg. Vous avez la raideur K. Vous avez la l'abscisse X0 qui est égale à 3 10 puissance moins 2 et la vitesse V0. Donc, il suffit de remplacer M par sa valeur V0, K et X0 au carré, X0 par sa valeur. Vous faites application numérique, vous allez trouver 3,25 10 puissance moins 3. Donc, cela, c'est l'énergie mécanique. Donc, énergie cinétique plus énergie potentiel. Là, c'est la question, réponse à la question numéro 1. On passe à la question numéro 2. 2. Par convention, on suppose que l'énergie potentielle est nulle pour la position d'équilibre. En appliquant le principe de conservation de l'énergie mécanique, déterminer en A la vitesse du solide au passage par la position d'équilibre. Donc, nous allons appliquer le principe de conservation de l'énergie mécanique. Que dit ce principe? Ce principe dit énergie mécanique finale égale énergie mécanique initiale. Nous avons l'énergie mécanique à l'instant T0 qu'on a déjà calculé. Cette énergie-là est égale à l'énergie mécanique à la position d'équilibre. Donc nous allons, petit 2A, appliquer, nous allons appliquer le principe de conservation. Donc énergie mécanique finale égale énergie mécanique initiale. Donc on va écrire EM final égale EM initial. Énergie mécanique finale, c'est l'énergie mécanique calculée à la position d'équilibre. Donc, est égale énergie cinétique plus énergie potentielle. Égale énergie mécanique initiale, c'est l'énergie mécanique à l'instant T0 que nous avons calculé là, EM0. Donc, est égale énergie mécanique à l'instant T0. Énergie cinétique, par définition, c'est demi de M V carré. Énergie potentielle est égale à demi de K fois X carré, qui est égale à EM0, l'énergie mécanique à l'instant T0. Par convention, c'est dit dans l'énoncé, on prend par convention l'énergie potentielle élastique égale à 0 à la position d'équilibre. Donc cette énergie-là est nulle par convention. La position d'équilibre, c'est la position qui correspond à G initial, position initiale, c'est la position d'équilibre. Donc arrivé là, X est égal à 0, alors énergie potentielle élastique aussi est nulle. Donc il reste énergie cinétique qui est égale à
énergie mécanique à l'instant T0. Et on nous demande de calculer la vitesse V. Donc V carré égale 2 EM0 sur M. Et on va tirer la vitesse V. V carré égale à 2 EM0 sur M. Alors, V est égal racine de 2 EM0 sur M. Voilà, vous avez l'expression de la vitesse demandée. Et V égale 2 racine de 2 EM0 sur M. Vous remplacez EM0 par sa valeur, parce que c'est déjà calculé, c'est 3,25 distance moins 3. La masse aussi est donnée. Donc la racine donne 0,18 mètres par seconde. Ça, la vitesse à l'équilibre. Donc à l'équilibre, l'énergie potentielle est nulle, mais l'énergie cinétique est égale demi de m v carré. C'est ce qui permet de calculer la vitesse v qui est égale 0,18 mètres par seconde. Nous allons passer à la question suivante, petit b. Petit b, on nous demande l'imposition pour lesquelles la vitesse s'annule. Donc, on doit toujours appliquer le principe de l'énergie mécanique, c'est-à-dire énergie mécanique initiale égale énergie mécanique finale, pour déterminer l'imposition où la vitesse s'annule. Donc, b, vous avez l'imposition. Ça, c'est la position d'équilibre lorsque le ressort est au repos. On l'écarte d'une longueur x max et on l'abandonne sans vitesse initiale. Là, la vitesse s'annule. Sans vitesse initiale. Le ressort vient, passe par la position d'équilibre. Il dépasse la position d'équilibre jusqu'à moins x max et sa vitesse s'annule. Et il repart. Donc, on l'abandonne. On tire, on l'écarte de x max. On l'abandonne, il vient, il passe par la position d'équilibre, il dépasse la position d'équilibre et il revient. Donc sa vitesse initiale est égale à 0, vitesse finale aussi est nulle. Donc on demande de calculer x max et moins x max. Non, c'est la même valeur. Les deux positions ont même valeur absolue, x max et moins x max. Donc nous allons toujours appliquer le principe de l'énergie de conservation de l'énergie mécanique. Donc nous avons énergie mécanique finale égale énergie mécanique initiale. Énergie mécanique finale égale énergie cinétique plus énergie potentielle qui est égale énergie mécanique initiale qui est calculée à l'instant T0, EM0. Énergie cinétique, par définition, c'est demi de M V carré plus énergie potentielle, c'est demi de K fois X max carré. Vous voyez que c'est la position maximale, donc X max carré, qui est égale énergie mécanique à l'instant T0. On a dit de calculer les positions pour lesquelles la vitesse s'annule. Donc la vitesse s'annule. Alors l'énergie cinétique est égale à 0. Donc il va rester demi de K X max carré qui est égal à EM0 à l'instant T0. Et nous allons tirer X max carré. Voilà, donc vous avez demi de K X max carré. Alors, X max carré est égal 2 fois EM0 sur K. 2 fois EM0 sur K. Alors, X max est égal à plus ou moins racine
de 2 EM0 sur K. Voilà les positions. Quand on cherche X max, c'est égal plus ou moins racine de 2M0 sur K. Et quand vous tirez X max, plus ou moins racine de 2 EM0 sur K. Donc faites application numérique, EM0 est déjà calculé, sa valeur c'est 3,25, 10 puissance moins 3. La raideur K est donnée dans l'énoncé. Donc faites application numérique, on va trouver 0,036. Donc ce qui entraîne que X max est égal à 0,036 mètres et X max moins X max c'est moins aussi 0,036 mètres. Donc c'est les deux valeurs là, deux extrêmes, X max 0,036 et ici c'est moins 0,036. Donc ce sont les valeurs pour lesquelles la vitesse s'annule. Nous allons passer à la question C. En C, on nous demande d'établir l'équation différentielle du mouvement. On doit établir l'équation différentielle du mouvement. Nous allons appliquer la RFD, c'est-à-dire la relation fondamentale de la dynamique. Donc, appliquons la RFD. La RFD dit la somme des forces extérieures égale M fois A. Nous avons trois forces, le poids, la réaction et la tension. Donc, ce qui entraîne que le poids plus la réaction plus la tension qui est égal à M fois A. Les trois forces, la somme de ces trois forces-là qui est égale à M fois A. Et on va faire des projections. On va faire projection sur l'axe x' x. Vous avez ici l'axe x' x. Donc sur l'axe x' x, nous avons la force T, la tension T, qui est de sens inverse. Donc dans l'expression, T sera négatif. Le poids et la réaction sont des forces qui ne sont pas sur l'axe x' x. Leur direction est verticale. Donc, elles n'ont pas de composante sur l'axe x'X. On a seulement une seule force qui est la tension T. Donc, nous allons dire sur l'axe x'X, on a la seule force moins T, X, qui est égale à M fois AX. Avec AX qui est égal X deux points et TX qui est égal à K fois X. Donc on va remplacer TX par K fois X et AX par X deux points, la dérivée seconde de l'abscisse X. Donc ce qui va nous donner moyen K fois X qui est égal à M fois X deux points. On va ramener M X deux points vers la gauche et diviser chaque terme par MM pour avoir l'équation différentielle X deux points plus K sur M X égale 0. Voilà l'équation différentielle du mouvement demandé. C'est une question à deux volets. En déduire l'équation horaire du mouvement. Donc nous allons chercher l'équation horaire du mouvement. L'équation horaire est la solution de cette équation différentielle-là.
décoration horaire du mouvement. L'équation horaire du mouvement est de la forme x qui est égale à xm cosinus de oméga 0t plus phi. C'est ça l'équation horaire du mouvement. Avec oméga 0, par définition, est égal à la racine de k sur m. Donc, faites oméga 0 égale racine de k sur m. Vous remplacez k par sa valeur m. Vous allez trouver 5 radians par seconde. Et donc, oméga 0 est égal à 5 radians par seconde. X max et phi seront déterminés par les conditions initiales. Mais déjà, à la question 2B, on nous a demandé de déterminer les positions pour lesquelles la vitesse s'annule. Donc on a déjà la valeur de x max, 0,036. Et x max, qui est égal à 0,036 mètres. Donc il reste seulement à déterminer phi. Parce que x max a déjà été déterminé à la question 2B. Donc on va chercher phi. Voilà. On va prendre l'instant T0. Donc, à T0, l'instant T0 égale à 0. X0 est égal à 3 cm. Donc, ça fait 3, 10 puissance, moins 2 mètres. Et je remplace T par T0. Donc, à l'instant T0, X0 est égal à x max cosinus de oméga 0 fois t. Or, t est égal à 0. Donc, ce terme-là s'annule. Donc, il va rester phi. Donc, ce cosinus de phi. Parce que t est égal à 0. Donc, le terme ici s'annule. Et on va tirer cosinus de phi qui est égal à x0 divisé par x max. Donc vous allez faire une application. Vous remplacez x0 par sa valeur. X0 c'est 3 10 puissance moins 2. X max c'est 0,036. Si vous remplacez, vous allez trouver cosinus de phi égale 0,83. Et on va tirer phi. Vous savez que cos de x égale à 1, x est égal à cosinus moins 1 de a. Donc vous allez chercher phi qui est égal à cosinus moins 1 de 0,83. Et là, vous allez programmer votre machine en radians. Parce que la phase phi s'exprime en radians. Vous allez avoir deux valeurs. Vous allez avoir phi égale 0,6 radians ou phi égale moins 0,6 radians. Pour remplacer phi par cosinus de 0,6, vous allez trouver 0,83. Si vous remplacez phi par moins 0,6, vous allez trouver la même valeur. Donc vous avez deux valeurs, phi égale 0,6 qui est positif, et phi égale à moins 0,6 radians qui est négatif. Alors laquelle de ces deux valeurs nous allons utiliser dans l'équation horaire? Nous allons vérifier encore avec la vitesse. Donc vous revenez, vous cherchez la vitesse. La vitesse V, par définition, c'est x point, dérivé de x. X point. Donc je dois dériver x. La dérivée de x me donne moins x max oméga 0 sinus de oméga 0t plus phi. Si vous dérivez ça, la dérivée de cosinus donne moins sinus. On fait sortir la constante
Donc moins xm oméga 0 sinus de oméga 0 t plus phi. Et nous allons prendre l'instant t0. Donc à l'instant t0 égale 0, la vitesse v0 est égale à moins xm oméga 0 sinus de phi. Parce que t est égal à 0, donc oméga 0 fois t c'est 0, c'est resté sinus de phi. Alors je dois tirer sinus de phi est égal à b0 sur moins xm oméga 0. Vous savez que b0 dans l'énoncé c'est égal à moins 0,1 mètres par seconde. Donc on fait application numérique, sinus de phi est égal à moins 0,1 sur moins x max qui est 0,036 oméga 0 c'est 5. Donc vous voyez, quand vous faites ce calcul, vous allez trouver sinus de phi qui sera positif. Vous simplifiez les moins moins, donc sinus de phi est positif. Alors si sinus de phi est positif, ce qui entraîne que la phase phi aussi est positive. Donc nous allons choisir la phase positive. Nous avons deux valeurs, phi égale 0, moins 0,6 et phi égale à 0,6, une valeur positive, une autre négative. Donc on vient de montrer que c'est la valeur positive qu'on va utiliser. C'est ça qui correspond à la vitesse V. Donc, l'équation horaire X devient XM. Ça fait 0,036 cosinus de oméga 0, c'est 5 fois T plus phi. Phi, c'est la valeur positive, c'est 0,6. Et nous avons l'équation horaire du mouvement. Ça, c'est parce qu'on nous a demandé de calculer X max. Donc, on cherche la phase phi et on vérifie. Nous avons deux valeurs de phase, 0,6 et moins 0,6, et on vérifie la phase qui correspond à l'équation horaire dans le cas où X max n'est pas demandé. Ici, on nous a demandé de calculer X max. Mais si X max n'est pas demandé, comment vous allez faire, vous allez retrouver l'équation horaire ?